Comme dirait ma jacouille, on a passé une nuit pourrite. On a dit, demain elle nous presse. On se réveille quand on veut et tout. Mais toute la nuit, putain, ici, au Sainte, ils ont mis des bouées, hein, certaines bouées. Avec des anneaux. L'anneau, il fait 3 mètres de haut. C'est géant vert, l'anneau, quoi. Donc l'anneau, déjà, il touche sous la nacelle de Black Lion, il touche sous le bout d'or de Black Lion, il touche la poutre de Black Lion, et c'est dans un endroit où il y a du courant. Donc, et la bouée passe sur le côté de la coque et ça fait boum, boum, boum. Par moment, le bateau il tire sur les amarres et les amarres font boum, boum. Et moi, j'ai voulu mettre une nouvelle application d'alarme de mouillage sur mon Android, sur le BV6600. Et ce con-là, c'est la première fois que je le mets hier parce que j'avais peur que les caca ça bouille en plus. Et là, ça me mettait, je sais pas ce qu'il me disait, GPS fix low, GPS fix low, GPS fix low, boum. Boum, GPS fixo, ding, ding, alarme de mouillage, ding, GPS, boum, boum, toute la nuit. On va l'appeler le rap de la boîte, c'est une horreur, mais je vous jure, c'est une horreur, il est quelle heure? Il est 5h du matin. On se casse d'ici, on va aller à Rivière-Sens, de toute façon, on voulait passer la nuit, on s'est dit peut-être qu'on va rester là, mais là, c'est bon. Et quelle idée, il pourrait mettre des petites bouées en mousse, je sais pas, on a déjà vu ça, des bouées en mousse. Bah oui. Hein? Comme les petits allez, on le fait ensemble, on fait le petit rap de la boîte, t'es prêt? GPS fixo. Boum. Boum. GPS fixo. Boum. Boum. Et en plus, la mare de la patte d'oie bâbord, elle s'est entourée dessous, je sais même pas pourquoi. À 2h du matin, j'y suis allé parce qu'elle était collée contre la coque et ça fait plusieurs tours dessus, j'aurais voulu le faire, j'aurais jamais réussi. Oh putain. Donc voilà, ça fait partie aussi d'une de nos règles, c'est que quand ça veut pas, ça veut pas. Et quand ça veut pas, on se casse. GPS fixo. Boum. Voilà, regardez l'anneau, où est-ce qu'il est, quoi. Il touche presque la poutre et quand il y a des petites vagues, ben ça touche. Ça touche le bout dehors. Ça se coince. Soit pas de doigts, regardez tous les nœuds que ça a fait. Quelle merdasse alors. Allez. Boum. Ah, t'as un sac de nœuds? Putain, regardez ça, allez. Qu'est-ce que c'est que ce tombeau là? Oh là là. Je vais essayer de la lever sur le pont. Sur le winch? C'est quoi ce bordel? Comment ça a fait pour faire un sac de nœuds pareil? C'est dans l'anneau. Sous Foxel, ça fait longtemps que ça n'est pas arrivé. Ça souffle 15-20 nœuds. Voilà, à 5 nœuds avec un petit bout de toile. Et je me suis fait brûler par des corails de feu là, sur cette putain de bouée. Pardon, cette lanquistin de bouée. Et du coup, ça me brûle, corail de feu. On laisse derrière nous les Saintes qu'on a déjà visitées ensemble, avec le soleil qui va se lever juste derrière. Alors cette nuit, parle au micro s'il vous plaît. C'était pourri les bananes. On remasterise tout ça. Corail de feu, boum boum, GPS, low fix, fix low. Et le boot, ok. GPS, fix low. Boum. Boum. Aïe 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 aïe. Boum. Aïe aïe aïe. GPS, fix low. Boum. Boum. Allez tous ensemble chez vous. GPS, fix low. Boum. Boum. Alors je sais bien qu'il y en a certains qui vont dire mais il fallait rapprocher la bouée au maximum du davier, mais nous on peut pas sur Black Lion parce qu'on a le bout dehors, on a les sous-barbes qui traversent comme ça de la coque jusqu'au bout dehors et le davier il est en dessous. Sur pirate.com le davier était en haut, il n'y avait pas de bout dehors et c'est ce qu'on faisait quoi. C'est un conteneur qu'ils ont mis quoi. En plus l'anneau c'est du métal. Il faut qu'ils pensent aux plaisanciers, c'est LSM, service à la mer, non, c'est les Saintes maritimes. Ouais, pensez un peu aux plaisanciers, leur bateau quoi. C'est un truc quand même. Merde. C'est la première fois que ça nous arrive, le Genève qui s'est déroulé tout seul. Mais c'est parce que avec la bouée, du coup, on avait détaché les écoutes. Et il est parti tout seul. Décidément. C'est parce qu'on avait détaché
les écoutes pour accrocher la bouée. Oh, dommage collatéral de la bouée là. Putain, c'est pas possible. What? Mais c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, merde. Putain, on avait décroché les écoutes du Genaker et l'enrouleur pour mettre les écoutes pour la bouée. Et du coup, c'est déroulé tout seul, ça nous est jamais arrivé. Au revoir, Genaker. Ouais, je déclare journée nationale de la bouée, 2 décembre pour Black Lion. 2 décembre, ne jamais prendre une bouée. Bon, les bananes. On est en vacances. Ouais, le voyage recommence vraiment. Donc, à partir de maintenant, c'est de la nouvelle découverte pour nous. Donc, on va découvrir en même temps. Ça, c'est bien. Donc, on a vraiment l'impression de revoyager. Et moi, j'ai envie de dire à balai trop le cul. Tous ensemble. À balai trop le cul. Bienvenue en Guadeloupe. Face à un slalom géant, des bouées et encore des bouées. Nous arrivons à la marina de Rivière Sens en Guadeloupe. Je pense qu'on pourra y faire l'atterrance. Donc je mets mon alarme de mouillage. Donc c'est au moment où je fais signe à la jacouille d'appuyer sur le bouton down pour descendre l'ancre que j'appuie sur mon ancre d'alarme de mouillage et non après. Avant, c'est l'erreur, j'oubliais souvent d'appuyer à ce moment-là et c'est trop tard. Après, il faut estimer combien de chaînes on l'a mis, à peu près où est-ce qu'on l'a mis et tout. Donc, c'est au moment où je dis c'est bon, on peut y aller, on appuie sur l'ancre. Right, banana. We are to the river sense. Direction la clairance. Le dinghy, puis là on va aller à la capitainerie faire les papiers. Comme à Saint-Pierre. Clairance de fête, moins de 5 minutes comme là-bas. 524 euros, tu dis ? 524 euros la marina pour un kata de 12 mètres ici. Au moins, c'est pas cher. Ah non, c'est pas cher. J'ai demandé savoir si c'était toujours bloqué. Ouais, pendant ces deux jours, mais c'est toujours bloqué. J'ai demandé ça si on pouvait louer une voiture et elle a dit vous n'allez pas aller très très loin. Donc on va aller à la réserve Cousteau parce qu'ici il n'y a pas trop de centre d'intérêt et à la réserve Cousteau on bougera et on improvisera. Donc, contrairement à la Dominique, là on touche du vent, je ne sais pas pour combien de temps non plus, on est au sud sud de la Guadeloupe, mais on a un 10-12 nœuds. Donc c'est très très bien. On va essayer de voir ce que ça va donner après. Par moments ça y a des variations, ça vient de face, ça vient de travers, ça vient légèrement de portant. Qui c'est qui a commandé son catamaran en Guadeloupe? Il est livré. Ce sont des bouées jaunes, marquage jaune. La réserve commence ici, 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 ici. Donc quand vous voyez des bouées jaunes, voilà, celle-ci, eh ben, il est interdit de pêcher dedans. Il faut bien se renseigner de la réglementation qu'il y aura dans cette zone. Parce qu'en Calédonie, par exemple, il y a des zones terrestres. Par exemple, il y a la réserve plutôt, il y a un îlot. Vous n'avez pas le droit de descendre à terre, mais vous pouvez pêcher. Et vous avez la réserve marine, le droit de pêcher, vous pouvez descendre à terre également. Nous sommes dans la réserve Cousteau et le mouillage a l'air d'être calme. Il n'y aura pas une bouée qui va nous taper dessus
aujourd'hui. Et j'accouche, je ne la vois plus. Je sais même plus que je suis marié, quoi. À un moment, il y a une femme qui sort comme ça, elle me dit, je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites là, madame? Elle me dit, ah oui, je suis mariée, je ne la vois plus. C'est comme un ours. Hein, tu hibernes. J'hiberne. Et en hiver. J'hiberne. Et au printemps. Et printemps. Voilà, je suis mariée avec un ours, avec Winnie l'ourson. Je vais aller voir l'ancre, parce que ça a soufflé la 25 nœuds au mouillage. On a chassé un tout petit peu, mais on a repris. Vous voyez? Voilà, ça c'était notre marquage tout à l'heure. Quand ça a soufflé, on a dérapé, hop, de 10 mètres et par contre on est raccroché, donc je vais voir comment ça se passe. Donc on l'a bien chassé, évidemment, et pas qu'un peu, on l'a bien chassé, au moins de 20 mètres. Dans l'eau, il y a plein de traces, il y en a, il a tracé, il a chassé sur des centaines de mètres, quoi. Je me suis arrêté au bout d'un moment, parce que je suivais, ça faisait comme deux petites traînées, deux petites pointes, et je pense qu'il y avait une phobe. Avant on avait ça, et pourtant la phobe c'est très bien pour le sable et les herbiers, et même lui il n'a pas pris, hein. Il est parti, il est peut-être arrivé déjà à Panama là, avec son bateau. Je pense que ça vient du fond, parce qu'il y a plein de traces différentes. Et, ouais. Et vous avez eu le tronc d'arbre aussi? Du coup, la roquenelle a même cassé un tronc d'arbre en deux, quoi. Voilà, ça c'est bien la roquenelle. Pour casser les troncs d'arbre, au moins, voilà. Déjà, c'est un point positif. Le moment de la prévention, de la prévention. Juste un tout petit rhum. Bonjour, je m'appelle Magali et je suis alcoolique anonyme. Je suis alcoolique anonyme. Elle s'est vue quand elle a vu. Quand elle va voir la vidéo. Tu veux faire de l'autre? Regardez ces jambes. Manque de fléchissement. Alors quand on a bu, on manque de fléchissement. Regardez, hop là, on ne fléchit plus, on ne fléchit plus. Voilà. Oui, oui, c'est bon. Ouais. T'as gêné tout le monde là. Ce matin, je vais aller plonger près de la petite réserve Cousteau, voir un petit peu comment c'est joli ou pas. Interdit de rentrer à moteur à l'intérieur. Donc on s'accroche à une bouée. Thank you.
Alors j'ai failli être déçu au départ. Je me suis dit, ouais, il n'y a pas grand chose et tout. Et en fait, c'est un endroit mais vraiment unique. Hein. On a fait des plongées autour du monde. C'est très rare de pouvoir approcher des poissons aussi proches avec la caméra, comme les poissons perroquets. En général, les poissons perroquets, quand vous approchez, ils se font la nage directement. Et la plupart des bateaux là, on a l'impression que c'est Bouddha, il a mis des poissons en haut, ils sont complètement zen. Bob Marley qui aurait relâché ses poissons de son aquarium. Les poissons ils sont complètement chutés, tout est hyper cool. Très agréable à plonger, donc c'est vraiment à faire absolument. J'ai failli être déçu au départ. Mais moi j'ai pas pu faire. Bah t'as pas pu faire. Et j'ai vu une langouste. Oh putain, bah là elle est bien heureuse, hein. Elle a eu ses jours ici là, donc c'est strictement interdit de pêcher. Énorme. Énorme, c'était Godzilla en langouste. On se promène les bananes. Bonne nouvelle, la Guadeloupe est en train de réouvrir tout doucement. C'est une bonne nouvelle, tout a été réouvert ici en Guadeloupe là, et les rayons sont pleins. Ouais, c'est bien pour le pays quand même, parce que c'était un mois avant Noël. Ouais, c'est pas terrible. Ça n'a pas été terrible entre le Covid et puis ça. Ouais. Donc voilà, on a refait un petit réappro, les citrons du Honduras. Ah, 1,99€. Il est content, Choupi. Il en a pris pour faire des glaçons de citron, ouais. Vous savez. Et je vous montre aussi tout à l'heure. On a acheté un presse citron là. Ah, le vrai de Tahiti, on l'a retrouvé sur un stand de la Transat Jacques Vabre, un monsieur qui les a fait venir. Ouais. Et ceux-là, ils sont trop bien. Et quand on va passer à Tahiti, on va en prendre. Et celui-là, il est vraiment assez le top. C'est eux qui l'ont inventé en premier. Ouais, c'est eux qui l'ont inventé. Il est vraiment trop bien celui-là. I-an. I-an. On est de retour au printemps. C'était lourd. 1,99€ les citrons du Honduras. Vous imaginez, c'était à 4,99€ citrons de Colombie en Martinique quand on est parti. Quand vous choisissez les citrons pour qu'ils soient juteux, il faut prendre avec de la peau lisse sur le dessus et non granulé. Si c'est granulé, il n'y aura pas trop de jus. Si c'est lisse, il y aura du jus. Vous voyez le citron là, il est bien lisse. Regardez-le bien. Regardez. Regardez le jus, regardez. Il a plein. Mais c'est incroyable. Allez, celui-là, il boit soufflé. Regardez, il n'y a pas de jus. Ils sont un peu truqués. Et voilà, c'est tout. Mais ils sont voilà, légèrement boursouflé, il n'y a pas de jus. Regardez celui-ci, comment il est boursouflé. Regardez, ok, je le mets. Là, regardez, attention. Regardez, Et voilà, il n'y a rien. Rien. Pisse 3 gouttes. Il est un peu boursouflé aussi, mais il est un peu plus lisse. Donc, on y va. Ah, voilà. Pisse 4 gouttes. Donc, le citron, on l'achète comment? Banane? Le citron, lisse. On l'achète lisse. Comme un œuf. Comme un œuf. Comme les fesses de ta femme. Pas ma hantise, c'est de manquer de citron. Le sucre, c'est bon. Le rhum, c'est bon. Mais le citron, il y a des fois, il y a pénurie. Donc, quand il y en a, il faut y aller. Il faut acheter, il faut congeler. Capiche? On vient d'avoir un gentil message d'Annette, les bananes. Elle a écrit un livre, un roman. Un titre tahitien, ça s'appelle Moana no Te Ao. Océan de paix. C'est un roman. Voilà l'histoire d'une femme qui quitte son mari volage. Elle amène avec elle ses deux enfants et se lance dans un long périple sur les mers du globe. C'est inspiré de nos vidéos pour pouvoir écrire son roman. Et de ton livre, non? Et de notre livre aussi. Moana no Te Ao. Voilà, Océan de paix. C'est magnifique. C'est très joli, j'adore le titre. Vous pourrez le trouver dans la même parution sur Bookelis, puisque c'est auto-édité. Mais elle va le faire distribuer à la FNAC aussi. Donc ben, bravo Annette. Bravo. Et The Winch. Vous êtes nombreux à faire le pas. On reçoit de plus en plus de messages en disant merci. Ça nous fait très bizarre parce qu'en fait, nous, on arrête de nous dire merci. C'est juste votre envie personnelle. Nous, on vous a peut-être influencé un peu plus dans notre voyage par rapport aux vidéos, par rapport aux livres et tout. Mais on vous félicite tous, ceux qui ont fait le pas ou ceux qui vont le faire prochainement. Ceux qui en rêvent encore, le rêve n'est plus très loin. Il faut jamais lâcher et tout. C'est beau ce que tu dis, Choupi. Ouais, c'est vrai.
Monsieur aimé son moment. Et où le tchoupi? Et voilà. Il est où le tchoupi? Et voilà. Je retombe plongée là où j'étais ce matin, la deuxième fois, au jardin japonais. Je n'étais pas avec lui parce que tout à l'heure, je n'étais pas avec lui, il s'est fait mal. Quand j'ai plongé, j'ai eu mal dans le dos et j'ai failli pas pouvoir remonter sur le... Mais il me dit ça alors que j'étais pas là. Doric. Nous étions là incognito. Ils étaient là en vacances. Ils nous ont trouvés. À quoi? Malabure. Malandure. Sonia et Eric en incognito à Malandure. De Winch. T'as bu du rhum? Non, ouais. Et, mais moi j'ai pris le métro parisien pendant très longtemps. Et mais putain, tu mettais au moins 1 euro pour un petit coca de merde. Sur la plage, les pieds dans le sable, un petit ponche quand même. 2,50€. Là franchement, c'est pas cher. Non mais même à Paris, va trouver un petit ponche. Là, allez-y, code promo, petit ponche Malandure. 2,50€, allons-y. C'est parti, c'est pour moi, c'est pour Choupi. C'est parti, code promo, Choupi Malandure. Choupi Malandure. J'ai eu de la chance, ça aurait pu dire Malandure. T'as fait une bulle avec tes dents. Quand t'as rigolé, t'avais une grosse bulle comme une petite tortue qui ferait des bulles. Vous me posez la question, mais comment vous savez où aller, comment on fait, et quelle est la législation et tout? Il n'y en a pas un qui s'inquiète. En fait, il y a des livres qui sont faits pour ça. Puis là, on vous l'a déjà présenté, destination de grande croisière. Donc ça, c'est bien parce que c'est pour toutes les escales. Alors, donc il y a tous les pays. Très simple, vous avez, comme dans tous les livres, un sommaire. Vous regardez là où vous voulez aller. Donc là, nous, nous sommes dans les Caraïbes et nous voulons aller à Antigua et Barbuda, page 163. Vous avez le pavillon aussi. Vous avez les explications d'Antigua. Vous avez ce qui se passe dans le pays, le climat, les formalités. C'est ça qui nous importe aussi, c'est comment on fait pour aller dans ce pays-là comme ça. Parce que quand vous arrivez en avion, vous arrivez, c'est pas compliqué. C'est par là, vous c'est par là. Bonjour, police nationale, immigration, les douanes et tout. Voilà. Vous n'avez rien à déclarer, non, rien du tout. Mais nous, on arrive par la mer. Hop, les mains dans les poches. Il dit, tout ça, il n'y a pas l'immigration. Donc c'est à nous de faire le pas, souvent. Il y a certains pays, c'est eux qui viennent au bateau. Et donc là, les formalités, par exemple... Et ils disent Donc d'entrée, le point GPS. Voilà, et puis ils vous expliquent ce qu'il y aura à faire une fois que vous allez arriver. Sauf que les formalités changent très souvent. Donc c'est très important d'avoir et ce guide et de connaître ce site qui est là, c'est Noonsite. Alors Noonsite. Donc c'est pareil, c'est Jimmy Cornell. C'est un site web qui a été fait de Jimmy Cornell et vous avez toutes ces formalités qui sont mises à jour. Voilà, c'est mis à jour par les plaisanciers en fait, parce que tout le monde et lui-même. Donc, on peut ajouter des informations quand on arrive sur place et dire, ah ben ça, ça a changé, ça, ça a changé. Donc, c'est une grande communauté, en fait, qui peut mettre... Bon, après, il faut faire attention à ce qui est dit dedans, mais la plupart du temps, vous avez des informations assez précises. Autre chose qui est importante, donc dans Voyage de grande croisière, toujours de Jimmy Cornell, vous allez avoir, pareil, donc un petit sommaire au début qui va vous dire dans les endroits où vous êtes... Dans quelle période y aller? Donc, on est toujours dans l'Atlantique et, par exemple, là, par les Caraïbes, vers les Bahamas. Donc, c'est ce qu'on veut faire. On va aller vers les Bahamas, page 79. On va avoir les explications sur les vents, les courants. Il vous donnera la meilleure route à prendre. Et là, sur Noonsite, une fois que vous êtes sur Noonsite, vous marquez là où vous voulez aller. Donc Noonsite.com. Antigua et Barbuda. Vous cliquez dessus. Quand la connexion est bonne, ça arrive rapidement. Ah ben on est samedi. Samedi, ils sont en week-end, ils vont pas travailler, ils nous prennent tout internet. Mais oui, mais c'est pas vrai. Ils regardent nos vidéos, c'est pour ça. Enfin, bon, ça marche pas. On vous explique. Ouais. Donc vous allez sur. Ah, moi, si j'étais président, je vous dirais que je mettrais tout mon travail dès le samedi, hein, parce que comme ça, on aurait internet. Hein. Qu'est-ce qu'il raconte? Moi, je le fais en général sur mon ordinateur, parce que comme si c'était en anglais et que je parle pas super bien anglais. I would like to buy an hamburger. Ah bah tu vois, I would like to buy an hamburger. Si vous êtes comme nous, vous ne parlez pas très bien anglais, vous mettez directement traduction automatique et là vous avez tout en français. Donc là il va nous dire les protocoles d'entrée pour les bateaux pendant la pandémie. On va avoir toutes les informations concernant la pandémie et comment va se passer la clairance. Le protocole de plaisance en novembre 2021, donc c'est bien à jour. Hein. Depuis le 1er octobre 2021, tous les passagers à l'arrivée doivent avoir reçu au moins une dose de vaccin
approuvé pour être autorisé à entrer en Antigua et Barbuda. La notification entrante à Antigua doit être effectuée à l'aide de 10 Cyclear. Donc c'est comme Grenade. Ici, ils ont des logiciels et qui aident à faire les formalités directement par ordinateur internet directement de votre bateau. Les navigations arrivant par mer peuvent être soumises à une quarantaine selon les directives émises par le Port Health. On a besoin du test PCR. C'est vous qui nous rappelez ? Dans la matinée, peut-être vers 6h30. Ok, très bien. Ah ben, c'est super. Excellente journée. Au revoir. Nous avons pris rendez-vous avec une infirmière libérale pour un test antigénique. C'est 25 euros. Ça fait donc 50 euros. On pourra partir à Antigua lundi. Ce matin, nous quittons Malendur pour aller à Dehe, au nord de la Guadeloupe, 8,8 milles. Demain, rendez-vous avec l'infirmière qui vient à bord du bateau, nous faire un petit coton-tige dans le nez et non dans le huc. Et après, direction Antigua. Mais il y aura beaucoup, beaucoup de vent. Il n'y aura que 15, 45 000 à faire. Il va falloir serrer les fesses, si je puis m'exprimer ainsi. C'est parti pour une super navigation, 8 000 à faire. Youhou! Et The Winch. Elle va beaucoup mieux la jacouille. Moi je vous le dis aujourd'hui, mais elle me dit bon, moi quand j'aurai ma tablette et tout, parce qu'on vous tient en haleine, parce que vous savez que nous sommes devenus ambassadeurs pour la marque Blackview à bord des océans. Oui. Et en fait, ils nous ont envoyé une tablette qui n'est pas encore à la vente. Et des super écouteurs. Et en fait, on va être les premiers à tester. À tester. Et ce n'est pas encore mis en vente et tout. Et donc, ils nous font entièrement confiance pour tester, on va tester la tablette. Sauf que la jacouille, elle a dit quand j'aurai ma tablette. Mais oui, parce qu'en fait, pour lire les livres, c'est bien, en fait, d'avoir une... C'est, ça va faire pour le livre, en fait. Pardon, je ne sais pas ce que je dis. Il y a des tout petits points blancs sur mon citronnier, là. Je sais pas ce que c'est. J'essaie de les retirer délicatement avec une vieille brosse à dents. Ça se met à l'intersection des feuilles et du tronc. Tiens, j'espère qu'il n'y a pas une petite maladie qui s'est mise dessus, là. Papa est là. Papa va le soigner. Je me suis occupé de mon petit citronnier comme je m'occupe de ma femme. Mmh. Oui, tu as la chance d'être entretenu comme un citronnier, ma petite orange. Je vais frotter donc le tronc avec une brosse à dents, parce qu'il y a des petits points blancs, là, je ne sais pas ce que c'est, là, des trucs, là, j'espère qu'il n'y a pas une petite maladie dessus. Je vais gratouiller la terre pour aérer un peu la terre, et puis là il pleut, et là il prend l'eau de pluie de Guadeloupe, et ça va lui faire un grand bien. Les bananes, je vais vous faire un petit cours parce qu'il y en a plein qui me disent oh, on n'arrive pas à trouver toutes vos vidéos sur YouTube, c'est compliqué. Maîtresse Magali, montre-nous. Quand vous êtes sur notre page Catamaran Black Lion sur YouTube, vous allez tomber sur cette page d'accueil qui va vous présenter plein de vidéos. Pour voir toutes les vidéos dans l'ordre, vous allez dans vidéos qui sont dans l'ordre. Donc quand vous descendez tout en bas, vous allez avoir les toutes premières vidéos. Les toutes premières, c'est celles qui n'étaient pas comme on fait aujourd'hui, mais c'était les premières quand on est parti de Nouvelle-Calédonie. Et quand nous avons vraiment commencé à filmer pour vous, c'est la partie, le hashtag 1, celle qui dure 2h30. Voilà, ici. Donc après, vous allez pouvoir aller directement dans Playlist. Et là, on vous a préparé des petites playlists.
Vous avez les hors-séries, les souvenirs, les teasers, l'Australie. Et puis ensuite, vous avez vraiment toutes les playlists traversées de l'Indien, Mayotte, Tanzanie. Donc, c'est trié par endroit que l'on a visité. Voilà. Vous voyez, c'est bien clair là. Mais oui, c'est clair. Non, mais là, si vous ne trouvez pas, je ne comprends pas les bananes. Après, vous allez dans « À propos ». Et là, dans « À propos », vous avez la petite description et vous avez tous nos liens, le livre, le Facebook, la boutique en ligne, le Blackview, Medidistance, les recettes de Jacouille. Voilà, vous avez tous les liens, vous cliquez dessus, vous allez dessus. Depuis les recettes de Jacouille, je suis allée sur la page Catamaran Black Lion. Je me suis désabonnée exprès pour vous montrer. Quand vous n'êtes pas abonné, s'abonner, c'est en rouge. Vous vous abonnez, voilà, ça devient gris, d'accord? Si vous vous désabonnez, ça redevient rouge. Donc vous, il faut que ça soit gris, vous êtes abonné. Et vous voulez des petites notifications pour savoir exactement quand on sort une vidéo. Et vous demandez toutes les notifications, d'accord? Voilà. Et là, vous recevrez toutes les notifications. Vous recevrez toutes les notifications. Et là, vous êtes abonné, les cocos bananes. Voilà. Donc, il faut mettre un petit pouce. Un petit pouce sur les vidéos. Un commentaire. Un petit commentaire, comme ça, moi, je vous réponds, ça me fait plaisir. Vous partagez la vidéo, faites partie de l'aventure. Et voilà, les bananes coco. C'est quand même pas compliqué. Et donc, avec ça, vous aurez obligatoirement une notification de nos vidéos YouTube. Ouais. Si vous êtes déjà inscrit sur YouTube, parce que vous pouvez regarder nos vidéos sur YouTube, mais il faudra un compte Google pour avoir une notification. Et oui. Bien d'accord. Oui, donc il faudra vous inscrire. Un compte, Et surtout, une chose, c'est gratuit. N'ayez pas peur, il n'y a rien à payer, c'est gratuit. Même si vous désabonnez, il n'y a pas un ange, on ne veut pas de lettres recommandées, tout ça. On a reçu des centaines de lettres recommandées pour se désabonner. Mais non, ça ne nous sert à rien. C'est gratuit. Tu n'es pas au courant? Ben c'est normal, on n'a jamais reçu. Ben bon. Oui. On n'a pas de poste, on n'a pas de boîte aux lettres. Pour un plaisir personnel, si vous ne nous aimez pas, ben vous désabonnez. C'est pas la peine de nous descendre ce que vous avez dit. C'est bon, je m'énerve. Pourquoi je m'énerve? Je sais pas pourquoi. Je sais pas bon. Bon, allez. Ok, on vous a tout bien expliqué. Donc, allez-y, abonnez-vous. On vous aime. Ouais, elle aime tout le monde, hein. On l'a visité. Voilà. La porte du congélateur était mal fermée. Ça a décongelé la nourriture du congélateur. Ça prend le premier là. J'ai vu un steak qui était mouillé. Ouais. Le lardon, c'est pas bon. Bon, lardon. Tu peux les faire cuire et les remettre au congélateur. La porte était mal fermée. J'ai eu peur. Du coup, c'est le frigo qui marchait plus. Et je vais accuser personne, mais. Regardez la tête qu'il y a quand elle n'est pas fière. Normalement, tu te frottes l'œil comme ça là. Mais je peux pas, je suis. Mais ce midi, on a qu'à se faire deux steaks hachés, Mimine. Ah, j'ai horreur de perdre la nourriture, c'est un truc. Ça me dépasse. Il y a les lardons qui sont décongelés. Voilà, je fais des grosses bêtises. Imagine traverser le Pacifique. Presque un mois de traversée, voire un peu plus, voire un peu moins. Ouais. Tout ceux des JO. Ça c'est pas cool, c'est vraiment un truc à la con. Hein. Il y a des fois comme ça, il y a des robinets qui sont ouverts. Hein. Ouais. C'est arrivé aussi, ça arrive à certains bateaux. Pommeau de douche, ça nous était déjà arrivé nous d'ailleurs. Hein. Ça va ouvrir le robinet, et puis comme vous êtes dehors, vous n'entendez pas la pompe. Et d'un seul coup, 4 heures après, vous dites, mais c'est bizarre, il n'y a plus d'eau, qu'est-ce qui s'est passé là? Et là vous apercevez qu'un robinet était ouvert. Et puis alors là, vous voyez, il faut l'inertie, mais là Jacouille, il reste. Alors, en plus, j'ai fait une connerie, elle garde le frigo ouvert 3 heures. C'est quand tu vas prendre l'électricité et l'eau à bord du bateau. Bah, tu sais que c'est foutu d'avance maintenant avec. Vous voyez qu'elle a beaucoup mieux la Jacouille. Hein. Là, c'est regardez, elle cuisine, elle fait des conneries. Pendant 3 semaines, elle était dans le lit, elle n'a pas bougé, il ne s'est rien passé au bateau. Aujourd'hui, elle se lève, elle dit je vais beaucoup mieux. Et ben voilà, première connerie, voilà, après 3 semaines, Dieu a créé le monde en 7 jours, la Jacouille. Elle fait des conneries. Elle n'a pas fait de conneries du tout pendant que j'étais malade. Alors vas-y, suite-moi une connerie banane. De suite, maintenant, tu as 3 secondes. 3, je vais trouver. 2, 1, mais mauvaise réponse. Bon, Emma. Il y a 2 steaks cachés, on les fait ce midi. Hein. Oui, mon cœur, ça fait 3 fois que tu me dis. Est-ce qu'on fait les steaks cachés ce midi là? Je voudrais savoir si on fait les steaks cachés ce midi. Oui, on fait les steaks cachés ce midi. Oui. Tu fais quoi là? Je rappelle mon fils. Ah, rappelle. Et on l'a vu, il s'est énervé là. Parce qu'ils sont à tout zigazi, il y a des clients qui sont passés sur le quai. Et ils prennent en photo comme ça, il a fait « This is my house, this is not a show ». Et il s'est dit « Oh, sorry », comme ça. Oui, bah, c'est un petit nerveux, hein. Et comme sa mère, tu vois. C'est ta mère qui a mal fermé la porte, tu vois. Il y a une différence, c'est la porte qui s'est mal fermée.
Parce que c'est ta mère. Hier, elle a fermé la porte du congélateur, celle qui a rangé les courses. Ce n'est pas moi, je n'ai pas été le congélateur depuis hier. Moi, j'avais dit qu'il n'y avait plus de place et puis voilà. This is not your house, this is my show. This is not the show, my room. This is not the show, this is not the show. Ouais. T'es nerveux, t'es comme ta mère. C'est reparti. J'ai passé le boulot. Ça y est, c'est reparti pour la recette de la jacouille de la fripouille. Ah bah oui, ça y est. Vous savez pas comment. Parce que ça, je le filme pas parce qu'elle est tellement odieuse, ignoble, horrible. Mais persistant comme ça. Allez, comme ça. Filme-moi la recette de jacouille de la fripouille. Non, mais en d'ailleurs, plus... on fait pas avec ça, on fait avec un rouleau à pâtisserie quand tu tapes ton mari. D'accord. En plus, comme ça fait longtemps que je vous ai pas fait de recette, j'ai décidé de vous faire une petite douceur pour démarrer en douceur. Et parce qu'il va y en avoir d'autres. Ben oui. Et puis une petite douceur des Antilles, tant qu'à faire, parce que j'ai vraiment rien fait des Antilles. Donc on va faire un blanc manger coco. Elle enchaîne bêtise sur bêtise. Là, je l'entends dans le ton de sa voix. Alors c'est tant mieux, elle va beaucoup mieux. Mais moi, maintenant, je vais souffrir. Oh là là, mais c'est moi, je vais souffrir. De la crème de noix de coco, du lait de coco, comme vous voulez. Donc il y a 400 ml. On va rajouter la moitié d'une boîte de lait concentré. La moitié, hein, parce que si vous en mettez... Mais où l'autre moitié? Ben l'autre, elle est au frigo. Alors attends, avant de finir ça, je vais mettre deux feuilles de gélatine. C'est sympa la texture de ça. T'as vu, c'est rigolo. Ça se casse ou pas? Ben ouais, ça doit se casser. Donc on met dans de l'eau froide pendant 5 minutes. On va rajouter du zeste de citron. Et un peu de sucre en poudre. De la noix de muscade. En poudre? Pas trop. Hein. Pas trop. Stop. Voilà. On va mettre de la cannelle. Et ça continue encore et attends, encore. Viens m'aider. Elle fait que des conneries d'abord. Attends, je faisais pas de bêtises. Pourquoi? Parce que je bougeais pas. Non, forcément. Je vais mettre un peu de vanille. Mais c'est du vinaigre. C'est de la vanille. Ouais. Un petit peu. Ouais, c'était bien parti. Et on va mettre le tout sur le feu. Ah. Nous allons remuer. J'espère que ça va être bon. Hein. Mais y a, pour moi, il y a trop de cannelle. Ah, tu crois? Je vais en manger encore un peu. Mais non, mais c'est trop tard. Non, non, je peux encore. Non, prendre. Vas-y, mais c'est pas grave. On dira si c'est bon ou pas. Non, allez. Arrête! On mélange. Mais choupi! Bah, tu ménages. On va faire une bêtise. Ah, on! Refais ta phrase de suite. Tu vas me faire faire une bêtise. Tu! Non. La mauvaise foi est de retour également. La jacouille, la mauvaise foi. Gaston Lagaffe, c'est eu 3 en 1, quoi. 20 ml d'eau. Et la gélatine? Attends, c'est pas encore. C'est chaud. On arrête. Et on va rajouter la gélatine. Et ça va se mélanger, ça? Ben, il faut mettre dans des petits ramequins et c'est fini. D'accord. On va rajouter aussi du zeste de citron dessus pour la décoration. C'est tout. Pour le petit goût. Et c'est tout. Ben voilà, on y est, les bananes. Donc, on y est. Avec jacouille à fripouille. On ne mange pas que des nouilles. Non, mais mieux ça, parce que tu vas mieux maintenant. Avec jacouille, la fripouille, on ne mange pas que des nouilles. Des nouilles. Attends, je mets ça va le frigo aussi? C'est pas possible, ça. C'est pas possible, ça. Ah non, mais le truc, c'est chaud, là, ça. C'est trop chaud? C'est pas très chaud. C'est pas très chaud, mais... Toute la nuit, frigo, il a décongelé. Un jour, jacouille, j'ai pris un cours sur l'économie d'énergie. Ne regardez pas cette vidéo parce que tout sera faux. Donc, allez, on y va. Plonge pas en arrière-plan et vas-y que j'ouvre le frigo. Ouais, donne-moi ça. Nous sommes à Dehé, actuellement au nord de Basse-Terre, en Guadeloupe. Et Dehé était une baie, qui est toujours une baie, qui était visitée par les corsaires à l'époque. Donc qu'est-ce qu'il doit y avoir au fond des eaux? Qu'est-ce qu'il doit y avoir? Des trésors. Location de bateau sans permis. Ouais, j'imagine bien que celui-ci n'a pas besoin de permis. Hein.
Bonjour. Ce serait pour faire une clairance, s'il vous plaît. Oui. Merci. Merci beaucoup. Voilà, notre clairance pour Antigua. Il nous reste test PCR. Test PCR, on a rendez-vous avec l'infirmière devant la pharmacie qui est fermée à 10h30. Bonjour. Bah voilà, hein, on fait avec ce qu'on a. Ah, c'est gentil de venir un dimanche. Et les résultats, c'est tout de suite. Tout de suite. Ah. Normalement, j'ai l'application, donc logiquement, d'accord. Ça passe. Les dames d'abord. Je suis poli. Pas de la même manière à chaque fois. D'accord. Vous allez respirer par la bouche et bloquer au niveau du nez. J'y vais doucement. C'est normal, il ressort par l'oreille. Merci. Voilà, on a tout. Test PCR, clairance. Ouais. Et météo. Ici. Ah oui, c'est vrai, il y a ici. Sur icyclair.com, on s'enregistre. Donc first name, last name, email address, confirmer email address. Je viens de m'enregistrer avec mon mot de passe. J'appuie sur navire, nom du navire, Black Lion. Membre d'équipage passager, je clique dessus. Allez, ok. Et là, je vais faire également ce que je fais là-bas. Le site est assez simple et assez ludique. Arrivée prévue le 6 décembre. Pays d'arrivée, Antigua et Barbuda. Raison de la visite, c'est le loisir. Navire de location, non. Départ prévu, le 06. Toujours capturer l'écran au cas où il y aurait un problème pour leur donner le numéro de dossier. Parce que, ok, et ben on est bon pour partir. Et demain, ça va souffler, ben on est prêt. Par contre, demain, il va y avoir du vent. Ça va souffler, on a 45 000 à faire. Et le vent est est-nord-est et nous allons direction légèrement nord-nord-ouest. Ça veut dire qu'on va être au prix. On va être, ben non, ça va pas être terrible, on va se faire secouer. Ça va booster. Thank you.